Salut les tristes, vous nous avez manqué pendant ce long mois de souffrance. Entre l'absence de communication des dirigeants et l'attente de la DNCG pour évoluer en Ligue 1, on ne pouvait pas attendre le premier match face à Rennes sans faire un point sur la situation du club. Bienvenue dans la quatrième dimension. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais surtout d'esprit. Un voyage dans une contrée dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres où il n'y a qu'une destination, la quatrième dimension. C'est mon choix. Allez, on se retrouve sous notre repas de Miné Foot avec nos anciens chroniqueurs et nouveaux chroniqueurs. Ils sont encore là, apparemment ils y sont tous. Et on accueille notre premier invité, Julien Gradjan, qui a fait trembler la salle de Bigou, la salle des fêtes. Second invité aussi, on a notre ami Nico Gradjan qui a inventé le Sougante, qui est à l'origine de la chanson Le Sougante, vous savez bien ça? C'est ça, c'est ça. Ça remonte déjà presque 5 ans et ça rajeunit personne, mais en tout cas, ça fait son petit bonhomme de chemin. Et... Tu l'as écrit rapidement ça? Tu as mis combien de temps pour l'écrire? Rapidement, on va dire... pas une soirée. Ah quand même, ça va, ça a été une vite fait. Bon, d'abord c'était parti sur un couplet et puis j'avais été sollicité par un groupe de jeunes musiciens. Il y a quand même des de la suite qui m'ont contacté en disant ça nous plaît bien, la meilleure musique, etc. Est-ce que tu pourrais faire un second couplet? Toujours quelque chose qui pourrait coller avec le stade. Et donc voilà, second couplet est né dans la foulée et depuis ça fait son nombre de chemin. C'est une réussite pour nous, pour tout le peuple vieux. Réussite, il y a des groupes des fois dans les villages. Oui, tout le monde l'a joué. C'est partie du répertoire maintenant, comme des chansons illustres. Bon, disons que ça, on pourrait en parler des heures, mais juste pour faire la petite parenthèse, il faut savoir qu'au début, quand elle est sortie, quand elle a commencé à prendre, notamment lors du titre de Ligue 2, il y a quelqu'un qui avait pensé pouvoir le mettre sur son CD, jouer dans un groupe, etc. Donc je m'y étais opposé et c'est à ce moment-là que j'avais décidé de protéger un peu le texte pour éviter qu'il devienne n'importe quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis content de voir que n'importe quel groupe peut le chanter n'importe où, mais que ce n'est pas devenu le chant d'un groupe sur un CD. Mmh. Et que je pense que c'est quelque chose qu'il faut que... C'est un patrimoine des tribunes qu'il faut qu'on conserve de manière saine. Bon, très bien. Très bien. Bon, on va démarrer cette première partie avec la quatrième dimension. Comme on a dit, personne n'a rien compris à cette réunion. C'est pour ça qu'on a demandé à Julien et toi justement de venir pour nous éclairer un peu plus. On va commencer par la première partie, là, le premier thème. Qui c'est qui est très gentil? Très gentil. Qui c'est qui est très méchant? Très méchant. Qui a tous les premiers prix? Très gentil. Qui roupille au dernier rang? Très méchant. Qui fait des économies? Très gentil. Et qui gaspille son argent? Très méchant. Ils craindront le cul pénible, les gentils. Qui c'est qui se retrouve devant les méchants? C'est question de dire le gentil, le méchant. Bon, un long mois de silence du club, alors que nous étions en Ligue 2, la DNCG nous avons en Ligue 2. Alors pourquoi ce mutisme des dirigeants, qu'est-ce qui est un peu le fin mot de cette histoire? Pourquoi ils n'ont pas parlé? Pourquoi il n'y a que le DOS sur Camperem ou qui a été au créneau, qui s'est battu seul? Pourquoi? Ils ont répondu l'autre soir, c'est pas leur truc de parler. Mais à un moment donné, un mois, elle est restée un mois sans rien, tout le monde attendait au moins un en petit même temps, mot. Ils ont fait un communiqué où ils diraient on ne communiquera pas. Moi j'ai l'impression qu'ils se sont vexés des bruits de couloir. Ils n'ont pas compris que si les gens parlaient en ville, c'est que les gens s'inquiétaient de l'avenir du club. C'est pas pour parler mal d'eux. Il faut à un moment donné arrêter de tout prendre sur le plan personnel. Non mais il y a un ego qui détruit ce pays. Oui, il y a un ego qui détruit ce pays. Est-ce que c'était bien quand Tony Ledos, justement, il intervienne lui seul sur le forum de Camperet? Moi, je vais te dire ce que j'en pense à titre personnel. Moi, je lui ai dit dans le privé et je lui ai dit sur le forum, publiquement, ça fait 2 ans que je lui dis de ne plus parler comme il le fait. Alors, autant il parle toujours assez justement, il a toujours de bonnes raisons de le faire, mais ce n'est pas lui de le faire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à se retrancher derrière sa communication, surtout que son rôle, finalement, il n'est pas bien défini. Si encore il était porte-parole du club ou directeur de la communication, j'aurais dit oui. Mais ça, le directeur de la communication, le porte-parole, c'est Mathieu Cesari. Lui, il est secrétaire général et accessoirement DOS. Mais à un moment donné, il s'est tellement mis en avant, c'était leur gilet pare-balles. Alors, il est tellement loyal qu'il a
qu'il en a oublié peut-être le côté tribune, mais je veux dire, c'était pas son rôle, et je pense qu'à mon avis, il va se faire plus discret maintenant, ce qui serait normal. Mais D'ailleurs, il commence à être plus discret. Oui. Après la réunion, justement, on l'a senti un peu plus discret. Hein. Mais moi, je lui ai dit à titre, à titre privé, à titre public, ce n'est pas ton rôle d'aller comme ça au casse-pipe, ton rôle, il n'est pas défini. À ce niveau-là. Donc, plus ou moins, on avait des infos. Après, on avait des rumeurs, c'est parti en rumeurs, hein, c'est l'ouverture à toutes les rumeurs, hein, ce mutisme. Et Nico, justement, toi qui es exilé, comment tu as pris ? Tu étais chez toi, tu habites vers Metz, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Comment c'est... tu vivais, toi, ça, de l'extérieur ? En plus, tu n'avais rien, tu n'avais pas d'infos. Bah, c'est-à-dire, c'est pas forcément. Aujourd'hui, c'est plus la distance qui fait le flou, quoi, parce que bon, les contacts, ils sont là. En fait, le fait d'être à distance peut-être te permet d'avoir un certain recul par rapport à la situation. C'est-à-dire que, c'est même mieux à rigueur, de rien entendre de tout. De manière, voilà, Bastiaise à 100%, tu es dans la rumeur permanente, il y en arrive une chaque heure, etc. Le fait d'être à distance, tu peux les filtrer à la limite et tu les choisis, toi, tes infos. Tu non, sais entendu, les rumeurs les plus folles. Hein, d'ici, c'était 10 millions, un trou de 10 millions, enfin, c'est des trucs de fou. Bien sur sûr. L'équipe, tout ça, ça a été dur. Hein. Par contre, pour revenir au DOS, je pense au contraire que là, ça... sa mission, elle va s'affiner un petit peu. Je pense qu'elle va s'affiner. J'espère. Elle va s'affiner. Il est un petit peu en filigrane. Il va essayer de nous l'expliquer lors de la réunion. Parce que c'est vrai que je veux dire, la nature ayant horreur du vide, quand il y a des compétences comme les siennes, je pense que quelque part, tu dois parfois te trouver en souffrance de dire, bon, là, je sais comment il faudrait aborder la chose. Là, je sais comment il faudrait répondre. Quel angle adopter. Et donc, forcément, il finit par y aller de manière tout à fait naturelle. Et voilà, après Mathieu a eu cette prise de parole, je pense. Ouais, justement, on va voir le petit zapping, on va regarder. D'accord. Sur la, justement, le. On a fait un petit zapping de la réunion. Aujourd'hui, l'abonnement, c'est un acte militant. Celui qui ne s'abonne pas, quelque part, il n'a pas le droit de dire au Sporting de la Yugui, à Judy Omogor, et c'est pas possible, on ne peut pas. Retenez une chose, c'est que UNID aujourd'hui est l'actionnaire principal de la SASP et UNID est propriétaire de la SASP. Donc quelque part, la SASP est la fille de UNID qui est donc sa mère. Donc entre une fille et sa mère, je parle au niveau comptable, il y a bien entendu des échanges comptables. On a toujours répondu à toutes les questions, on continuera à répondre à toutes les questions. Donc quand on regarde la fiche d'identité de la SAS UNID, on s'aperçoit qu'il y a entre 6 et 9 salariés. Donc c'est sur internet, il y a 456 kg de salaire chargé et il y a 464 euros versés par la CSP à UNID sur l'exercice clos au 30 juin 2013. Moi, la question elle est simple, c'est qui sont ces salariés de la SAS UNID ? Et moi je pense que la question elle aurait eu le mérite d'être posée de manière plus claire et même très claire. Parce que lorsqu'on pose la question de savoir qui sont ces 6 ou 9 salariés, moi j'aurais préféré qu'on me dise, bon, est-ce que les salariés de la CS UNID sont les dirigeants aujourd'hui du Sporting ? Puisque c'était la question qui était sous-entendue. Lorsqu'on pose des questions, il faut avoir le courage de dire clairement les choses. Les actionnaires, les dirigeants du Sporting Club de Bastia ne sont pas salariés au Sporting Club de Bastia et ne sont pas les salariés du Sporting Club de Bastia. Non mais quel est le problème ? Quel est le problème aujourd'hui ? Vous faites quoi ? Le procès des 9 dirigeants ou quoi ? Mais on fait pas le procès, on pose une question très claire. Il y a 330 000 euros de salaire et 120 000 de charges. Il vient de te l'expliquer. Il y a des règles comptables. On fait monter de l'argent, on fait descendre. Il a expliqué pourquoi. Si la transparence est ça, c'est bon. Alors c'est bon. Mais bien sûr que c'est ça. Écoute-moi. Quel est le problème ? Moi, je vais être très clair. Ce soir, la transparence, effectivement, ce sera ça. Mais en début de réunion, il y avait une tension palpable. Au même titre qu'elle est palpable à l'échelle de la ville, voire de la Corse. Ces tensions, elles ne sont pas nées de rien. Je pense que beaucoup, autour des flous dont il a été question tout à l'heure, notamment au niveau de la communication, qui a fait monter d'un cran les tensions. Par ailleurs, des questions ont été posées tout à l'heure, des réponses ont été données, ou partiellement, ou pas du tout. Moi, je pense que on vient de finir 12e d'une saison. On a été finaliste de la Coupe de la Ligue. Et au lieu de s'en contenter, de se dire on est là, on survit, on n'est pas heureux. Donc moi, la question que je pose, c'est que tant qu'il n'y aura pas une organisation de supporters, quel soit le groupe existant, 1905, qui le fait, qui fait son travail et qui vient aux nouvelles, etc. Mais tant qu'il n'y aura pas aussi, de la part de la communauté et de l'ensemble des supporters, une volonté d'aller au contact du club,
on ne sortira pas de cette, de ce face-à-face-là. Parce que le club ne pourra jamais répondre de lui-même à toutes les attentes du public. Bon voilà, hein, c'est un petit résumé de la longue réunion. Bon, la SAS Unide qui est cousin de la mère, du père. Justement, Julien, la fille... Il a raison dans ce qu'il explique-nous c'est très bien expliqué, du cousin hein, de la cousine, elle est en expliquant quelque part, pour schématiser, oui, parce qu'il a raison, c'est pas des moments illégaux, faut pas voir là, une volonté, une manœuvre frauduleuse ou autre. C'est des mouvements qui se répercutent dans toutes les grosses sociétés, entre la holding, parce qu'il faut l'appeler, et la société, qualifiée société d'exploitation. Bon, je préfère donc, ça nous, que la fille et la mère, déjà, c'est un peu mieux. Après, chacun la compta, c'est... Moi-même, je suis pas un pro-comptabilité. Ce qu'on a fait dans la démarche, c'est que devant la non-publication des attendus, devant les chiffres en pagaille qui sortaient dans la presse, et 5,3 millions de la DNCG, et que c'était pas 5,3 millions, c'était 700 000, on comprenait plus rien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Défaut de communication, on s'est dit, écoute, on va aller chercher les infos où l'on peut les trouver. Et c'est sur Internet, au regard de tous, sur Infogreffe, on a téléchargé les comptes. C'est les comptes d'il y a 2 ans parce qu'ils sont très en retard dans les dépôts. Mais c'est accessible à tout le monde, à tout internaute. Tu payes, tu en as pour 15 euros par année. Donc si demain un sponsor veut y aller, il peut y aller. Si demain un autre président de club peut y aller pour s'il veut acheter un joueur, veut savoir combien on est, il peut y aller. Donc on est là, la confidentialité, elle n'est pas bafouille du tout. Elle est quand même respectée parce qu'ils ont même l'obligation de publier. Donc nous l'idée c'était de se dire, écoutez, on n'a pas. Les dirigeants ne peuvent pas communiquer, soit on a marre d'attendre les rumeurs à la con, on va essayer de démarrer un certain de travail avec l'exploitation des comptes et remonter dans cette exploitation qu'on a fait, entre autres cette question parce qu'il y en a d'autres qui suivent, de cette convention qui est passée entre la holding et la SASP, donc le Sporting Club de Bastia. Dans cette convention, elle est libellée de manière où tu vois que ce sont que des attributs de direction, tu as les infrastructures, tu as le merchandising, tu as la communication, tu as le recrutement. Donc c'est vraiment très précis. Et elle sort... Je dirais, donc dans la holding, donc on est quand tu auras de la fiche d'identité de la holding sur internet, il y a marqué 6 à 9 salariés. Donc moi j'ai entendu Pierre-Marie qui dit qu'il fallait passer la question clairement, mais qu'est-ce que je vais faire? On l'a dit qu'on l'a demandé 15 ou 20 fois s'ils étaient salariés. Il a répondu non, je vais arriver le faire le 21e bêtement, est-ce que vous êtes les salariés? Ouais. Ils disent que non, c'est simple, c'est pas eux, alors qui c'est? Malheureusement, à aujourd'hui à l'heure où on se parle, la question reste pleine et entière, on ne sait toujours pas qui sont ces salariés. C'est là que s'arrête la transparence. C'est là que s'arrête la transparence. Donc, il y a des à mon grand regret, et je pense au grand regret de toute la salle ce soir-là. Mais quand ça a dérapé, après avec le président qui dit la transparence, ça sera ça. Est-ce qu'ils ont raison de cacher peut-être qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire devant le... Enfin, je ne sais pas. La question, c'est simple. C'est même pas est-ce que c'est un montage financier pour défiscaliser, pour tourner quelque chose. La question, c'est qui sont ces salariés. À un moment donné, dans le club, c'est une entreprise, elle a ses salariés, elle est prête, ils sont déclarés. Donc c'est salarié, c'est pas le personnel administratif. Si c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas les joueurs. Qui c'est? Et puis en plus, moi, et encore plus, le fait de pas répondre, excuse-moi Anthony, ça dissipe un doute. Un doute alors que c'est plus facile. Mais s'ils pouvaient pas vraiment penser non, pas non, s'ils sont salariés en plus, oui. Qui leur en voudrait si déjà dans pas du tout. Qui leur en voudrait alors qu'ils avouent justement un jour non, mais ils ont le travail qu'ils font. Personne ne peut leur en vouloir. Mais si c'est autre chose, pensons qu'il y a autre chose derrière. Ils ont les statuts pour eux en plus. On sait pas. Et puis quoi qu'en répondant comme ça, il peut y avoir que des bruits de couloir. Ah ben voilà, les gens sortant de la réunion, qu'est-ce qu'ils se disent? Qui c'est les neufs? Allez, Kess et Oula Roubetch. En ne répondant pas à cette question, c'est comme ça qu'il crée les bruits de couloir qui les vexent derrière. Mais qui sont à l'origine de ce qui les blesse. Vu que le DOS, justement, l'a répété 50 fois que la porte était grande ouverte du club, est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'il y ait un petit comité restreint qui parte à 10 ou 12 et qui a justement posé ces questions-là sans caméra et sans journaliste avec les dirigeants? Alors, j'essaie de répondre à plusieurs choses, la tienne en dernière. Andrew le disait, le fait qu'il ne réponde pas, ça cristallise encore plus ses tensions. Mais... Tu as raison, complètement. Et surtout, il faut remettre les choses, ça fait suite à un mois de silence. Bien sûr. Qui a été, je pense, qui est la cause. Un mois de stress, surtout. Un mois de stress, c'est un mois d'horreur, ça. C'est la véritable cause que le fait que la réunion se fait sous pression maximale. Oui, mais. À mon sens, c'est ça. Si c'est pour pas répondre. Aujourd'hui, après, pour répondre à Anthony qui disait si c'est eux les salariés, personne ne leur en voudra. Moi, je suis d'accord. Enfin, je pense être d'accord avec toi. Après, il faut voir dans une certaine mesure, bien évidemment, tout travail mérite salaire. Demain, ils sont toute la journée au club, sur 4 jours dans la semaine. Et si l'exploitation est bénéficiaire, ils peuvent se mettre salariés. Si l'exploitation est bénéficiaire.
Non, ça c'est pas autre chose. Tu rentres dans des salariés, des bénéfices, toi. Tu rentres dans les dividendes. Oui, je rentre dans les dividendes, moi. Non, c'est encore différent. C'est encore les dividendes, c'est reversé sur le bénéfice. Là, c'est encore autre chose. C'est pour ça que je dis dans une certaine mesure. Si, admettons, allez, c'est simple. Moi, ça ne me dérangerait pas qu'ils soient salariés. Même s'ils le disent, je ne crierai pas au loup, je ne demanderai pas leur démission parce que j'estime qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de demander la démission des dirigeants. Anthony parlait de germes de contestation. Je pense qu'il a raison. Par contre, il y a un malaise. Il faut de suite crever l'abcès. Il faut de suite crever l'abcès avant que ça m'empire. Tu sais, je vais te dire une chose. Je te coupe deux secondes. Par rapport à l'époque des barbus. Quelle preuve on a, nous, à l'époque des barbus, à part un ressenti de mépris, un ressenti qui calculait pas les gens, qu'ils étaient hautains. Il n'y avait rien. Même Courroie, elle n'a rien trouvé au club. Même Courroie, elle n'a rien trouvé. Tu as certainement raison, parce que moi, je n'étais pas... Non, mais... Où elle était, la contestation, c'était le mépris, les trucs, les machins. Ça a un peu contesté davantage quand il y a eu l'affaire Pivetot. Mais je veux dire, il n'y a rien au club qui fait... La DNCG, tu passes, le club, il est nickel, il n'y a pas de... Mais on savait qu'on allait dans le mur. On savait. Mais pour des solutions, Jean-Marie, justement, là, pour que ça aille mieux, pour que ça, on crève l'abcès, bah, justement. Pour pas aller dans le mur, il faut. Eh ben, pour pas aller dans le mur, je rebondis sur ce que dit Nico. Déjà, il faut que les gens qui soient compétents, ils soient à d'autres places. Qu'il y ait des gens comme Mathieu, puisqu'on en a, on le voit dans ton truc là. Mathieu, là, il est en plein délire. Moi, c'est pas le Mathieu que je connais. Mathieu, j'étais avec lui au tribunal, t'avais à Testamour, j'étais de partout. C'est pas le Mathieu que je connais. Je sais pas. Parce que moi, j'ai l'impression, tu sais quoi, tu es revenu aux anciens dirigeants tout à l'heure quand tu parlais là. Mais moi, ce qui me paraît le plus flagrant, c'est l'usure. C'est comme un mandat en politique. Moi, je compare un peu ça. Parce que comme les dirigeants qu'on a connus, nous, Pierre-Marie, tout ça, et maintenant, c'est plus le même. C'est créé un fossé. Pas simplement énervé, voilà, il y a un fossé, tout ça. C'est ça. C'est comme en politique. Hein. C'est à un moment donné, plus tu... Les années passent. Gilles posait la question. Il disait, qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas communiqué? Tout le monde dit, on avait la tête dans le guidon. Donc ils sont arrivés, tête dans le guidon, complètement dans le dossier. La réunion n'a pas été préparée de leur côté, c'est pas possible. La réunion n'a pas été du tout préparée. C'est pas possible. Ils sont venus au jeu, ni oui ni non, là. Ils sont arrivés surtout à fleur de peau. Ouais, attends. Ouais, c'est vraiment... braqué bien à l'avance. Alors, aussi dans la salle, il y a une certaine tension qui était pas... Ils étaient sur la défensive, sur les dirigeants sur la défensive, au moment qu'ils s'énervent, c'est un peu... La question était visiblement dérangeante, mais bon, je ne regrette pas de leur poser, et tant qu'on n'aura pas la réponse... On le reposera. Mais avec une consulte, comme disait Anthony, justement, une consulte, tu fais une petite association, même fictive. Ce que je voulais te répondre, tu seras pas plus légitime qu'on te réponde alors, même avec. Mais si tu fais ça déjà. Je voulais terminer sur cette convention passée, quand on disait les salaires. Bon, le fait qu'ils se dégagent les salaires, ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Après, non, il faut faire à mon honorable et le dire, voir dans quelle mesure ils sont déversés, parce que là, c'est 2012-2013, je vais voir 2013-2014, 2014-2015. C'est là que c'est intéressant. On parle d'une entreprise qui est financièrement, je vais te parler là, clairement et langage... Tu es banquier, hein. Oui, mais bon... Après, ouais, tu sens le... C'est une entreprise qui est mal en point. Donc demain, moi, une entreprise qui est mal en tu point... Tu es ici, hein. Et non, c'est déjà, ça donne assez de pénicrable. Demain, une entreprise qui est mal en point financièrement, qui a besoin de rationaliser ses coûts, de faire des économies, je vois que cette somme-là, je t'embauche un DRH, un directeur marketing, je t'investis dans le recrutement, et là, je te structure le club, eux se dégagent du temps dans la direction, et ils vont respirer, ils sont moins à cran. Et non seulement on investit dans un institut de recrutement avec des recruteurs et tout, qui va te permettre de mieux recruter, mais aussi surtout de mieux vendre. Parce qu'aujourd'hui, le club, qu'est-ce qu'il manque? Il souffre. De liquidité, il n'a pas de capitaux propres, il n'a pas de réserve trésorerie. Et c'est pour ça que la DNCG t'a dégommé, hein, au passage. Et donc, pour reconstituer ce capital qui te manque, il y a deux solutions. Soit tu es un investisseur, soit tu trouves un sponsor, soit tu sais bien vendre. Et nous, bien vendre, on nous dit, c'est la loi de l'offre du marché. Mais moi, le problème, c'est qu'en ne vendant qu'en France, on plafonne dans le montant de transfert. Et le fait d'avoir des recruteurs, ça va te créer des réseaux pour recruter, mais aussi pour vendre peut-être à l'étranger. Et peut-être que des montants de transfert sont plus importants. C'est con ce que je dis. Attends, faut arrêter. Mais demain, il faut sortir des sentiers battus dans lesquels on est. Bon, si on veut. Après, si on voit une communication comme ça, ça ne donne pas envie à des investisseurs à venir donner des pécules. Tu disais d'ailleurs, par rapport à ce que tu es en train de dire, ouais. Bon, pour l'instant, on ne connaît pas tous les mouvements. La rumeur, toujours la célèbre rumeur, mais semblait dire qu'on attendait un passage devant la DNCG. Une fois qu'on était passé, dès que c'était positif, 5 joueurs. On devait avoir une espèce de vague rassurante d'arrivée de joueurs, de signatures, et donc ça aurait dû
D'après ce que vous avez dit, calmer les esprits. Calmer, oui, les gens. Ils ont calmé les gens, mais pas les questions. Les questions auraient de toute façon été présentes. Mais je veux dire, le fait qu'il n'y ait pas ça, et que qu'on s'aperçoit, à l'heure actuelle, les mouvements, ils commencent à devenir de plus en plus réduits, restreints. Il y a un mouvement entre Montpellier et nous et Montpellier. Entre Rennes et nous, et Rennes et nous. Enfin, nous et Rennes et nous. Donc, j'ai l'impression qu'on est en train de restreindre au maximum les différents contacts qu'on pouvait avoir. Je ne préjuge pas de ce que va être les derniers jours, mais je veux dire, pour préparer la saison, ajoutons à cela le piment du problème de la pelouse. Et voilà. Tu as un piment que tu oublies qui peut être explosif parce qu'on s'y sera pris tard. Quand Pierre-Marie dit on va prendre moins de risques parce qu'il n'y a que deux descentes, et si ce n'est pas validé, parce qu'il y a l'embrouille entre le Grette et la 3 et Thiriez, autant ça peut rester à 3. Comment on fait là? C'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Bon, on va regarder quand même une petite pub avant de. Mais quand on y réfléchit, celui qui boit 3 cafés, s'il n'en boit plus que 2, il s'abonne. Voilà, hein, si on réfléchit, celui qui boit 3 cafés, s'il n'en boit plus que 2, il s'abonne. Hein. Bon, la communication est désastreuse. Hein. Quand tu entends ça, tu as envie de... Bon, c'est désastreux, non, mais surtout, comme tu dis, il y a des gens, s'ils ne s'abonnent pas, ils n'ont pas le cœur bleu, il y a des gens qui se tapaient 6 heures de route aller-retour. Ça a été raté, archi raté. Ils n'ont pas le cœur bleu. Moi, j'en connais un qui achète son billet à chaque match, il ne s'abonne pas. Comment tu veux faire? Il ne veut pas s'abonner, il préfère acheter le billet à chaque match. Et lui, il n'a pas le cœur bleu, lui. Non. Il n'a pas le cœur bleu. D'après eux, non. Très bien. Alors, et le geste militant, justement, je trouve, c'est de baisser le prix de l'abonnement quand les gens galèrent. C'est pas aux gens, arrêter de boire du café pour leur filer 100 000 euros l'abonnement, peut-être une place qui prend peut-être, où, etc. Peut-être qu'il y a une stratégie derrière ça, j'en sais rien. Moi, ne pas l'augmenter. Je pense qu'il y a plus qu'une stratégie. Après, il y a le dirigeant, il y a l'homme. L'homme, on le connaît, on l'a côtoyé. Je pense qu'à l'heure actuelle, suite à cette espèce de vague... parce qu'après, il a des déferlantes, hein, c'est bien même de surfer sur ça et tout, mais bon, rapport à ça, il a un peu en souffrance. Il y a quelque chose qui est pas... Je pense qu'il peut bien le prendre, ça, la magagne, quand même, ça, c'est de la magagne. Mais la magagne, c'est comme tout, tu prends une magagne comme sans comptoir, tu en prends une, tu en prends 200 par poste. Non, mais là, il y a un truc qui est particulier au Sporting, et ça montre la limite de la gestion à neuf. Je t'explique, et ça, je le sais, c'est certain. L'an dernier, quand il y a le communiqué ridicule sur le fait qu'on vous voulez pas Di Maria non plus. Ce communiqué, il élève que de Pierre-Marie. Il prend la mouche parce qu'il en a marre des rumeurs, des machins, des trucs, et il pond tout seul un communiqué. Ça n'a pas fait plaisir aux autres des actionnaires. Idem quand l'an dernier, Mathieu craque un peu avec l'éléphant, l'affiche de l'éléphant. C'est des petits trucs qui font que les autres s'irritent autour, et le concerné fait son truc tout seul. Moi, je peux te dire une chose, parce que j'ai le sens de l'observation, et j'ai le recul des fois. Quand il a lâché sa bombe, j'ai regardé les têtes de quelques autres. Pas tous, parce que j'ai pas eu le temps. Déjà, le dos était liquéfié. J'ai vu la tête de gens que je connais le plus et de gens que je connais le moins. Celui que je connais le moins, par exemple, c'est Alain Seigle. Alain Seigle, il était à côté, il savait plus se mettre. Tu avais Jean-Noël Philippe, il savait plus non plus. Donc, le problème, c'est qu'après, Mathieu, il parle en leur nom. Et ça reste pour eux neuf. Mais c'est sa bombe à lui. Parce qu'il n'y a personne qui te parle du café dans les neuf à part lui. J'en suis sûr. Non, moi je pense plus que jamais, il faut pas accabler Mathieu ou un autre. Le but c'est pas d'accabler. Moi je pense que cette intervention, elle est maladroite. Elle est maladroite, on le sait tous. Mais elle est dépourvue de méchanceté, maladroite. Mais il y a un petit. Ce qui me gêne le plus. Ça reste insultant. Il y a des gens qui plaignent. Mais il y a peut-être une stratégie derrière. Non, moi je vais t'expliquer. Il y a un petit air de mon sens. Il y a un petit air hautain. Mais c'est pas propre à Mathieu. C'est même on le voit entre la guéguerre entre Course Matin et le Sporting. On a l'impression que tout est dû au club. Non, c'est pas la vérité. Tout doit aller dans le sens du club. C'est pas, ou des dirigeants. C'est pas ça. La vérité n'est pas là. C'est qu'il faut aborder les choses avec humilité. Mais après, avec l'analyse des comptes et l'analyse financière qu'on fait, il y a aussi une vérité. C'est que le club a cruellement besoin de liquidité. Donc, le club a besoin d'encaisser rapidement les abonnements dans notre argent. Et je pense que ça, Mathieu, je dis pas qu'il y pense quand il le dit, mais je pense que c'est quelque chose qui les façonne, qui les cuisine, qui les travaille, et ce qui fait qu'à la fin. Un peu les pédales oui, et il y a des manières de c'est comme dire et de le dire et de la dire. Mais après il faut voilà, il faut pas s'attarder à le café, il faut essayer d'aller au-delà, d'avancer. Bon, par rapport les réponses. À la communication justement avec la presse là, il y avait Sévigny qui était parti. Salut à tous, cette semaine Minenfoot ou mène l'enquête. Nous trouvons au siège de l'école supérieure de journalisme. Donc c'est là que les futurs journalistes qui aiment tant nous casser du sucre sur le dos sont formés.
On va aller directement à l'intérieur pour mener l'enquête et voir si au sein de leur programme qui sont dispensés, ils n'ont pas une option anti-Sporting Club de Bastia. Allez, on y va. Voilà, donc je me trouve avec Oscar. Tu es étudiant en quelle année de journalisme ? En deuxième année. Tu es rentré, ça fait 2 ans, ça se passe bien ? Ouais, ça va, c'est sympa. Hein. Tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as fait pour intégrer l'école ? Ah bah, vous savez, c'est pas très compliqué. Mon bac, mes études avant, c'était pas trop ça. Mais dans la lettre de motivation pour le dossier, bah, je lui ai précisé que Bastia, c'est peut-être pas le club que je portais dans mon cœur et que je soutenais à fond le PSG, et voilà. Pas pour. Très bien. Toi, ton prénom, c'est ? Moi, c'est Sacha. Sacha, tu es en quelle année ? Je suis en première année. Tu peux nous expliquer un petit peu les cours, comment ça se passe ? Bah, on a pas mal de cours sur le foot. Il faut marquer que voilà, on est pour le PSG, que Bastia, c'est pas la bonne équipe à supporter vu qu'on est à Paris. Donc moi, j'ai toujours été pour le PSG, donc Bastia, voilà quoi. Comme vous l'avez vu au cours de ce reportage criant qui fait froid dans le dos, l'ESJ forme bien les chroniqueurs anti-sporting de demain. On va s'approcher de la porte d'entrée pour voir le planning officiel qui est affiché haut en couleur. Bon, merci Oscar et Sacha, hein, c'est des vrais étudiants. Si c'est ça les journalistes, justement, ben... c'était pour rebondir sur le Corse Matin, justement, avec les différents avec le Corse Matin, est-ce que ça peut s'arranger ? Corse Matin, il faut que absolument qu'on trouve une solution, que le club trouve une solution. Non, ça peut plus avancer, ça n'avance plus. Nous les premiers, parce que nous, encore, on est là, on est dans les réseaux sociaux. On sait se servir d'un ordinateur, tout ça, mais il y a 50-60% des gens, les pauvres. Tu veux que je te dise, Anto, ça leur a même... C'est con ce que je vais te dire, on dit oui, on n'a pas d'infos parce qu'on voit le madame. Mais entre la conférence ahurissante de Pierre-Marie, enfin les 24 minutes qu'il avait faites début juin seul, qui n'ont pas été retranscrites dans la presse, entre la conférence de presse qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps, qui n'a pas eu un mot dans la presse, entre la réunion publique où il n'y a pas eu un mot, quelque part ça les a un petit peu protégés entre guillemets, parce que si... Donc quand ce matin tu as l'histoire du café... Non mais c'est pas grave. Il y en a plein qui ne le savent pas l'histoire du café. C'est hein. Pas ça, non mais... Il doit avoir quelque chose, justement. Oui, c'est grave. Que les journalistes se braquent, les dirigeants se braquent. Ça les aime, peut se parce qu'on est pénalisé. Moi, maintenant, tous les matins, je me lève, je bois mon café, je lis que les... Il n'y a plus rien à lire, putain. Bon, est-ce que le tennis au milieu. Quand ce matin, justement. Hein? Est-ce que tu te rabonnes s'il n'y a plus de Sporting, c'est ton quoi. Ah, moi, je vais l'acheter. J'en venais plus. Moi, depuis que vous avez fait les grèves, moi, en tant que commerçant, bon, il y avait un petit truc, j'avais décidé de l'acheter. Je m'étais plus abonné. Mais maintenant, ça m'a fait chier. Je vois plus mon Sporting. Est-ce qu'ils vont pas perdre des gens ? Sporting, putain de merde. Ils vont perdre des gens le Corse Matin aussi. À force, s'il n'y a plus rien sur le Sporting, genre ses vendeurs. Le club, c'est à force de gagner. Ça ne rend pas service ni au club, ni à la presse, ni aux supporters. Tout le monde subit. Parce que là, le consommateur qui font exprès, ils disent plus rien. Oui, mais t'as un petit encore. Attends, ils ont mis le gazélec, la serre, le match amical, on s'en fout. Non, ils ont même mis l'avis sur les deux passages, les deux descentes, les deux montées. Avis du gaz, avis du GFCA. Le communiqué du club, il n'a pas été remis sur le. Non, mais absolument. Pour le bien de tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens, encore une fois, qui n'ont pas les réseaux sociaux, qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas d'ordinateur. Il faut absolument qu'ils trouvent une solution entre les deux. Hein. Bon, de toute façon, il faut un conciliateur. Il désigne un journaliste d'un côté qui va prendre ses informations parce que là. Enfin, normalement, c'est la base même du journalisme, c'est l'indépendance. C'est de ne pas se braquer et de traiter également tout le monde. Pas de squeezer le Sporting pour une justement, ils ont bien joué Argent. Mais joué Argent, c'est vrai que c'est un journaliste supporter. Il dit les vérités, quoi qu'il laisse. Il dit les vérités. Ouais, ça fait partie du journalisme. Parfois, ils se trompent, parfois, ils ont. Bien sûr. Mais. Par exemple, là, ils ne répondent plus au Corse Matin, mais RMC qui a fait 100 fois pire, dès que tu sors de la DNCV, tu leur réponds. Ou RTL, ou RTL, excusez-moi. Si on a le grand patron, là, justement, pour parler du journal. C'est la combine à nanar, d'apporter un Richard, vendre, acheter, revendre, acheter, avec rien dans les gobelets. C'est ça les billes à nanar, elles sont partout, elles sont nulle part. Oh, le grand patron, hein, Bernard Tapie, Anthony, vrai info en même temps. Non, je sais pas. Faut savoir s'il est vraiment apparemment, d'après ce qu'on sait, il a eu un contact avec des gens du club. C'était la question à poser là-bas. Si on l'a pas posé, ça aurait servi à rien, ils auraient nié en bloc. Bon, d'après ce que j'ai entendu à Bastia, Tapie aurait appelé Anthony Lugiani qui aurait fait le truc. Non, c'est ce qui se dit, c'est ce qui se dit en ville. C'est toi qui fais le nom. Non, c'est pas vrai. Mais il aurait eu un contact avec des gens du club. Après, est-ce qu'il a eu un contact avec tous les gens du club, avec quelques-uns, avec.
J'y crois moyen. Bah, moi, j'y crois pas. Sur le tapis. Le mec, il va. Ouais, venir, mais, attends, le mec, il demande 1 milliard d'euros, il va aller s'emmerder avec quelques millions pour le sportif. Et c'est peut-être pour ça qu'on te dit qu'on en veut encore ce matin, parce qu'on te dit que quand ce matin fait peut-être de la poussette pour lui. Moi, je pense que c'est ça. Non, mais on te dit peut-être que quand ce matin fait de la poussette pour lui, puisque quand ce matin sont les salariés de tapis. Je sais, mais je pense que vu la masse financière du mec, je pense que le Sporting, il s'entend pas. Vraiment. Je pense que le mec s'en fout complètement. Et tu préfères un tapis riche ou des corses fauchées? Voilà, non, c'était ça pour moi la question. Je préfère un tapis riche. Quoi que je sais pas. Non. C'est chiant, c'est la peste ou le choléra. Non, je m'en sais pas. Bon, de toute façon, pour l'instant, tapis c'est son cours. Oui, il y a des bruits qui courent. Ce sont des rumeurs. Voilà, encore une rumeur. Bon, ça reste une rumeur. Alors, on n'a pas de certitude qu'on pourrait soit venu avec un tapis. Soi-disant, enfin... Moi, je sais pas si je peux trahir le secret. Le directeur général, parce qu'il veut pas qu'on appelle le DOS, m'avait dit qu'il avait eu tapis 3-4 fois au téléphone. Bon, ça c'est dit déjà. Mais il a eu pourquoi? Quand on a été recalé par la DNCG la première fois, oui. Tapis s'est proposé. C'est là où il est venu pour. Pour proposer de l'aide sportive pour passer dans la DNCG. Une avance. Une avance prêtée. Donc il y a eu des contacts. Non, pas pour entrer dans le capital. Bien sûr, lui a proposé. Contact informel, quoi. Lui, il a proposé d'aider le Sporting, et ça, c'est sûr et certain. Donc le directeur général pourra y répondre. Il me l'a dit, il me l'a montré. Donc si vous voulez. Le si vous voulez pas que ça se sache, il me l'aurait jamais montré. Il m'a montré sans tête. Voilà. C'est à l'époque. Bon, c'est info, donc. C'est quand même info. C'est pas un talk, c'est info. Non, c'est une vraie info. Non, mais qui a voulu aider pour la DNCG à l'époque. Il n'a jamais parlé de rachat du club dans le capital. Mais comment il aurait fait à printemps, Anthony? Tu avais fait une belle rétorque. Ah, mais moi, après, on avait rigolé. On a rigolé entre nous. On a dit que si Bernard Tapie venait, il serait allé voir Gislain Printemps. Il aurait dit: bon, mon pote, tu retournes entraîner les mômes, là. Allez, autre tapis vert, hein. C'est là aussi, hein, tapis. La CAB, hein, qui ne sait quoi, c'est qui encore la faute. La CAB, encore, qu'est-ce qui va se renvoyer là-bas là? Ça, c'est la CAB, hein. 100%. Est-ce qu'on serait un club de Ligue 1 anglaise, par exemple? Ce qui est bien, c'est qu'on va juste quand le championnat va commencer. Mais c'est parce que c'est ça le truc. Ça fait, pourquoi maintenant? Non, mais ça fait des mois là que ça fait depuis donc, la fin de la saison que ça dure pour que ça soit dans cet état-là. Personne ne l'a vu, il n'y a pas eu un constat. Non, mais moi, j'ai vu une semaine après la fin du championnat, il était déjà en ruine. Évidemment, toujours, il était déjà mort, cramé. Mais qu'est-ce qui s'est passé en deux ou trois semaines? Mais maintenant, on va dire encore, on va relâcher encore des trucs qui vont faire chier, mais à qui profite le crime? C'est pas possible. À la société qui veut vraiment, elle a été. On a vu l'info, sur internet. Elle est confiée maintenant au Sporting, la pelouse. Ça y est, ça a été acté. Oui, la CAB a décidé aujourd'hui de donner la gestion. Il y a le CAB qui va jouer aussi. Alors, ça va faire des histoires encore. Je te pose une question. On paye un loyer pour le stade. Et en plus, on va payer l'entretien. C'est comme si tu prends. C'est diminué. Non, mais je pense qu'ils vont nous l'enlever. Une pelouse. Ils vont le défalquer, je pense. Mais il n'y a pas de bonnes idées. Ils vont pas enlever ça du loyer. Non mais attends, si le Sporting loue la pelouse, le CAB, il y a un but de bien social. Parce que le CAB, en plus, il va jouer deux matchs entre trois jours d'entrée de jeu. Quand la pelouse ne sera même pas encore enracinée, ils vont tout la ruiner. Ils vont pas la mettre dans la convention avec le Sporting. La malgueule, c'est pas leur faute. Ça va pas être mis dans la convention avec le Sporting, c'est un truc à part. Ça va être discuté à part. Enfin, ça va être encore. Le Sporting qui va financer le. S'il va s'occuper de. Il faut faire des appels d'offres, tout ça. Là. Puis le championnat, c'est bientôt. Tu vas pas te lancer dans la pelouse. Qu'est-ce que c'est lancer dans la pelouse? Quelque chose. Sportivement. Mais qu'est-ce qu'on fait sportivement? Si tu joues pas le 8 à domicile, tu mets en réel danger. Dans la mesure où tu as un calendrier d'amorce qui te permettrait de faire ce que tu as l'habitude de faire, c'est-à-dire d'engranger un peu des points au début, sachant que en fin d'été tu te prends des points de solution de Marseille. Si c'est pas le cas, tu joues une fois sur 5 matchs à domicile. Une fois sur 5 matchs à domicile, tu peux pas faire le match retour. Autant tu arrives à 0 point. Le premier match, c'est par rapport au match retour et de fin de saison. Ça nous ferait nous déplacer 4 ou 5 fois. Tu peux pas, c'est pas possible. Alors, de toute manière, on peut pas inverser les matchs parce que tu n'as pas le droit de recevoir deux fois d'affilée. Pour les deux dernières journées. Le GFCA, c'est différent. Il y a ça aussi. Mais la demande du Gazelec, elle était faite en temps et en heure. Là, non, mais c'est différent. Je crois pas qu'il joue contre 3 les dernières journées. Non, je crois pas. Parce que maintenant, tu as un calendrier assez bizarre. La seule chose qui peut peut-être nous sauver, c'est que de demander à la pleine lune à tous les gens qui aiment le Sporting d'aller chier tous en même temps sur la pelouse. Allons tous chier ensemble dessus, peut-être. Non, mais ça va être un réel problème. On a déjà connu ça à la première année de Ligue 1. Il faut que tout le monde chie là-bas à la pleine lune. Moi, je croyais qu'en décembre, on la change encore. Bon, mais de toute façon, on regarde un peu là ce qui s'est passé sur la toile des réseaux sociaux cet été et on revient après pour les 2 secondes ou 5 minutes sur le sportif. On commence ce premier tour de la toile des réseaux sociaux de l'été avec le remake du film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux dans le Niolou avec Yannick Cahuzac. On a pu voir aussi le remake des Bastia Rockets
la création des premiers jobs de l'été au Sporting pour arrondir les fins de mois avec Jean-Louis Lec et Gilles Thiogne en livreur. On a pu apercevoir le beau cadrage du journal de Corse Matin avec l'ACA, Stint ou Populou, Nazi. Pas mal. Enfin, l'ouverture des soldes à la boutique du club. Et pour finir, le post sur Facebook de Julian Palmieri avec le t-shirt du Marseillais Bengus. Et voilà tout ce qu'on a pu voir sur la toile des réseaux sociaux. Bon, on va parler un peu du sportif, justement, là, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait sur Palmieri? Ça lui tombe pile poil, ce t-shirt, hein. Qu'est-ce qu'on va en faire, alors? Qu'est-ce qu'ils en parlent de lui sur le recrutement? Il faut le prolonger, le garder, hein. Mais est-ce qu'ils en parlent? Parce qu'ils parlaient justement à La Réunion, 700 000 euros, une offre entre 700 000 et 800 000. Le souci, là où il a raison Pierre-Marie, là où il faut lui donner quand même raison, c'est que Palmieri, dans 6 mois, il est gratuit. Donc, il vaut mieux gagner 700 000 euros que zéro au mois de janvier. Mais est-ce que c'est bon de dire 700 000 après si un club qui voulait en donner 2 ou 3 il entend ça à La Réunion, dis-moi finalement. Ouais, mais tu peux pas donner 2 ou 3 000 euros pour un an de contrat, Gilles. Pas pour un arrière gauche ou un milieu gauche. Avec tout le respect que j'ai pour lui, par contre, s'il re-signe, il peut les valoir. Tu dis c'est par rapport à la période, la courte période, il exactement, peut pas. C'est par rapport au salaire. Quand ouais. les clubs ils sont pas cons. Quand ils veulent acheter, c'est par rapport au salaire qu'il a et le nombre de mois qu'il veut sous contrat. Et là, ils te font une offre. C'est vrai qu'il vaut 700 000 euros. Bon, on attend la prolongation, là. J'espère qu'ils vont le faire cette année. C'est impératif parce que. Bon, après, une prolongation avec revalorisation salariale ou baisse? Ah oui, oui, non, mais. Genre, je sais même pas combien il touche, mais une prolongation, c'est important. Bon, après, on a eu le côté départ, hein. On a eu, voilà, Erola, Eladjiba, Giovannicio, Gillet, justement. Gillet, il a marqué, là, avec Anderlecht. On a pris son but. Deux anciens du Sporting. Ça, c'est Drissa Silla. Ça, c'est le match amical. Ça, c'est le match amical. Et hier, il y a eu le championnat de Belgique qui a commencé. Il a été le premier buteur. Et Silla pareil. Ils ont gagné 3-2. Et sur le but de Gillet, tout le stade a scandé Gillet. Hein. Et voilà. Bon, adieu donc. Adieu. Donc, je pense que. À l'année prochaine. Mais bon, on avait Gillet. Il n'y avait qu'à lever l'option d'achat. On a été prioritaire un mois. On a eu 2 mois pour le lever, cette option. On a eu le départ aussi de Romaric. Hein. On ne sait pas comment, d'où il est. Romaric, il y a une. Parce qu'il faut savoir que. Il y a un problème. C'est pour ça qu'ils ont pas. Parce que c'est annoncé jusqu'en 2016. Non, mais voilà, ce qui s'est passé, Jean-Louis Lec s'est retrouvé en fin de contrat. Romaric, Tchon, tous ceux qui avaient prolongé, il y avait une faille. La Ligue n'avait pas homologué à la fin de la saison certains contrats. Là aussi, la communication est super. Voilà, voilà. Vous l'aviez annoncé qu'il a prolongé. Non, c'est pas vrai. Et comment? L'an dernier, le site du club, il annonce un nouveau contrat. C'est-à-dire que même Jean-Louis Lec, un club serait venu, l'aurait fait signer. C'est pas bon. Oui, là, c'était le site officiel. Bon, on a eu Diakité aussi, plus de nouvelles. On a vu Cissé, je comprends rien. Il part à La Réunion un mois en septembre dans un club. On le paye encore, hein. Je n'ai pas compris ça encore. Vraiment, il a signé un mois dans un club. Il est à son salariation, financièrement, on encore plus mal. On comprend rien. Bon, sinon, il y a Christophe Vincent à la CA. Et après, il y avait le site de Lille, hein, prétention. Ils avaient mis Camano chez eux, ces enfoirés. Pendant qu'on était mal, le couteau sous la gorge, ils en ont profité. Sur le site officiel encore. Il y avait plusieurs jeunes qui pistaient, mais bon, le webmaster, il a dû craquer. Et là, par contre, alors, Lille avait fait une offre pour Camano. Concrète, 1,5 million d'euros. Combien? 1,5 million avant le passage d'NCG. Après le passage, Lille a reformulé, je crois, presque 3 millions d'euros, ça revenait. Ouais. Et là, c'est encore une source sûre. C'est pas Pierre-Marie qui me l'a dit lui-même, c'est quelqu'un qui était dans le. Et Pierre-Marie a refusé l'offre. Il a dit moins de 7 millions d'euros, je ne discute pas avec lui. Il ne discute pas. Bah, ça, c'est déjà donc, bien. Là, il a été ferme. Là, il a été ferme, c'est sûr. Il a dit moins de 7 millions. Quand tu vois les emplâtres de Thauvin et voir Beauvu, tu n'as plus envie de. Attends. Bon, côté arrivé, après, on a Modesto qui a prolongé. Gébourg, Diallo qui a re-signé aussi, qui a signé, qui est revenu. Moi, et le contrat d'Alexander Djikou, il y a aussi Djikou. Hein, très bien, il a fait une très bonne préparation. Mais moi, ce qui me gêne, Gébourg, ça sera sûrement un bon joueur. Mais le premier choix, le choix de printemps, c'était Vincent Clerc. Vincent Clerc, ça rugby mal. Donc, c'était clair. Il est venu pour signer. Il était là ici pour signer. Et dans l'affaire Montpellier, on se projette. Du coup, c'est passé. Donc, tu prends un joueur que tu ne veux. Bon, peut-être qu'il va être bien, mais c'est pas un joueur que tu veux. C'est pas du travail, ça. Tu vois, c'est dans la continuité de tout ce qui se passe. Même s'il va être bon, Gébourg, peut-être qu'il va faire l'affaire. Mais le choix, c'était clair. Bon. Et c'était pas si clair que ça. Tout à fait. Bon, l'effectif 24, ils ont dit cette année. Ensuite, l'effectif 24. On a le gardien, là. Alors, le gardien, qu'est-ce qui est devenu? Le gardien, c'est fini. Adieu.
On a truc, on sait quoi, est-ce qu'on sait à ce jour-là Seco devrait arriver, donc on tourne, donc... Il devrait arriver aujourd'hui. Mardi, allez, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il devrait arriver aujourd'hui. Donc mardi, on est mardi aujourd'hui. Ils se sont mis d'accord jeudi dernier. Ok, on a Chavaria. Donc il devrait arriver avant qu'il ait loupé l'avion, il devrait... Chavaria. Alors Chavaria, ce qui s'est passé, on est rentré en contact avec lui. Quand a fait une offre en début de... À Lens, 800 000 euros, Lens a refusé. Mais quand on a pu recruter... Donc, il faut qu'on fasse une offre. Ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent. Attends, je vais poser une question. Puisqu'on n'a pas 500 000 euros à mettre pour Gilet, si j'ai suivi le tout, qui on peut acheter? Personne. Je sais pas. 500 000, tu les avais pas avant le versement de droit. Voilà. Tu n'avais pas c'était dans le contexte. Mais on les a maintenant. Est-ce qu'on peut acheter? Mais qui on peut acheter? Parce que j'ai l'impression que nous, on vend au rabais et qu'on veut tout gratuit. C'est quoi le... Comment on fait là? Moi je pense que tu n'avais pas la trésorerie nécessaire au moment où il fallait lever l'option d'achat, parce qu'il ne faut pas oublier que tu as eu les 400 000 euros dessus aussi. Et puis tu peux t'arranger autrement avec un club comme Lens. Tu donnes 400 500 000 euros pour Chavaria. Et puis tu peux prêter un joueur. Gilet, tu peux prêter un Keita. Gilet libre quand? En janvier? Oui, non, mais je veux dire un club comme Lens. Signé pour le mois de juin. Pour négocier des joueurs après, pour des clubs comme Lens, tu leur prêtes un joueur, plus du cash. Heureusement qu'il y a Madame Gilet. En Ligue 2, tu le fais jouer et... Heureusement qu'il y a Madame Gilet et la famille qui est restée ici. Bon, ils sont bien en Corse, hein, eux, hein, ils sont bien, ils pleurent presque de repartir là-bas. Bon, là, il a marqué en championnat et... Bon, sinon le bilan, un bilan sportif rapide, allez, comment vous l'avez pour l'instant, à ce jour? Moi, je veux dire, si on est à 18 clubs, Mezzumal, à 18 clubs qui se maintiennent en Ligue 1, l'un dans l'autre ou pas, mais il faut quand même le soutien populaire. Et j'ai pas le sentiment qu'il y a toutes les conditions réunies pour avoir le soutien populaire. D'où une année difficile. Par contre, il y en a trois qui descendent, atteinte. Julien, Nico, abonné, ça y est, c'est fait ou ça va être fait? Non, pas fait. Pas fait. C'est fait. Faut que j'y arrive. Bon, faut qu'on y aille tous. Tribune n'est pas de place numérotée, donc je m'en vais. Bon, on va y aller, de toute façon. Quoi qu'il arrive, voilà, là, on s'est connus avec Nico, on sait que ça fait que t'as mis 30 ans qu'on se connaît à l'époque de Testamour, on a fait nos premières rencontres. On sait qu'on sera là, hein, quoi qu'il en soit. Et voilà, on a bouffé de la merde, le petit Julien, ça fait maintenant presque 8 ou 9 ans. Donc, c'est pas des gens qui aiment bien, châtient bien, si, voilà. Quand on a eu jour, on dit, c'est Etienne Mendy, les gars. Voilà, on était là, hein. Donc là, tous ceux qui sont autour de cette table, on sera toujours au stade, et on appellera les gens à venir, là, au stade, à encourager. Dès que le championnat va commencer le 8 août, on sera à fond derrière l'équipe. Hein. Bon, abonnez-vous, hein. Mais, comme il dit Julien, tout en ayant... Une réserve, oui. Une réserve et des questions. Et pour qui moi, je veux au-delà de ça, c'est pas une réserve de questions, c'est qu'à l'heure actuelle, il nous faut les réponses aux questions posées. Ouais. Puisqu'elles sont importantes, sans quoi d'autres risquent d'arriver sur un budget futur qui va pouvoir être accessible incessamment sous peu. Et s'il y en a d'autres qui viennent encore se greffer là-dessus, on ne va plus s'en sortir. Mais de source sûre, les réponses devraient être publiques et écrites début de semaine. Et surtout, chacun gît à sa place. Bon. Le message est passé en tout cas. Là. Le message est passé, on attend des réponses. Que les neufs restent vraiment retrait, qu'ils laissent la communication à des gens sérieux. Bon, on a vu Vrandao au dernier entraînement. Hein. On va s'écouter, c'est ça, on va s'écouter sur les conneries. On remercie Julien et Nico pour leur participation. Et bon, abonnez-vous, les dirigeants, attend des réponses et mon immigrant. Ciao! Oh, man! C'est tendu!